Hey hey hey, cucu mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode du Let's Play Découverte sur écologie. Et voilà la petite maison qu'on commence à connaître. Quelques petits changements, effectivement, j'ai acheté, enfin je leur ai acheté, enfin ils s'y sont achetés, enfin bref, ils ont, voilà, un deuxième panneau solaire pour pouvoir produire un peu plus d'électricité et peut-être prétendre avoir de l'électricité normale, un frigo et compagnie. Et au final, j'ai monté le deuxième récepteur de rosée d'eau sur le dessus et comme vous pouvez le voir, nous avons maintenant de l'herbe ici au lieu du béton parce que comme ça commence à devenir un peu plus agréable. Et un lever pour Sacha, elle a déjà envie de s'occuper des plantes. Bah écoute, vas-y. Elle travaille pas aujourd'hui, on est samedi. Par contre, elle a une petite faim quand même. Je vais la laisser s'occuper de l'arbre là, si elle en a envie, si ça lui fait plaisir. Pendant que Jonah, lui, nous tape une petite grasse mat. Bon, ça va, il est même pas 10 heures du matin. On va le laisser un peu dormir parce que là, il commence à être pas très bien. Allez, bichon, t'inquiète, les toilettes sont juste là. Oh, et puis c'est vrai, je vous ai pas dit, j'ai rajouté une petite belle plante ici, hein, qui fait de tout son effet dans cet intérieur. Qui était un peu juste, mais voilà, parfait. Ça rajoute un peu de verdure aussi à l'intérieur, quoi. Tiens, 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 qui c'est qui vient rendre visite? C'est notre amie Tina Tinker. Tu vas... Ah oui, bah oui, on n'a pas encore voté, nous. Autosuffisance. Allez, on va essayer de faire de l'autosuffisance. Tu vas lui dire bonjour quand même. Elle est sympa en plus. Elle nous donne des trucs des fois et tout. Pendant que notre belle Sacha trie un petit peu dans la poubelle. Je pense que ça peut que faire du bien. Alors, t'aimes bien nous foutre des trucs partout là? On peut compenser l'élevage d'insectes. Tu peux le faire s'il te plaît. Et puis ça, tu mettras dans l'inventaire. On verra ce que. D'accord, ok. Qu'est-ce que tu vas faire? Casse pas notre machine, hein, je te le dis direct. Hein. Si tu nous laisses le meuble à la limite, je veux bien. Ah, elle veut faire une commode. Super. Alors, les plans d'action du quartier. Nous avons en tête. Ah ouais, on avait quand même quelques petites choses. Et lui, il a 2 points. On va les mettre dans un autosuffisance parce que nous, on est pile dans ce qu'il faut. On est pile dedans, donc on va essayer de faire ça. Oh, quoi? T'es pas content, bichon? Ah si, tu mets tes votes. D'accord, pardon. Et pendant ce temps... Oh, mais... Elle m'a pété la machine! Mais quel biatch! Tu vas me le rembourser, hein? Ah, j'en peux plus. C'est quoi ces Sims, là? Franchement, il n'y a pas un paramètre de verrouillage? Ouais, remplacer 900. Bah, bien sûr. Tiens, tiens. Bess est là. Bon, c'était pas super bien entendu avec elle hein, quand elle était venue, donc bon, on peut toujours discuter. Ah oui, toi tu la connais absolument pas en fait, d'accord. Tu peux venir quand même lui dire bonjour. C'était plus avec Sacha qu'elle avait parlé. Écoute, tu vas essayer de la convaincre et puis discuter. Hein. Regardez ce qu'elle m'a fait, méchante Tina. Bon, c'est pas tout ça, mais je pense qu'on va aller au lieu communautaire pour voter. Pour transformer ce lieu, ça pourrait être sympa aussi. Nous voilà donc à ce lieu communautaire de malheur. Tu vas faire des trouvailles, 2-3 trouvailles, stuple. Tandis que toi, tu vas aller voter pour les projets, voir ce qui a été fait, tout ça. On va aussi recycler ce qu'on a. Voilà, hein, par exemple, tout ce qu'on a récupéré qui sont cramés, ça pourrait être intéressant pour récupérer des peaux de banane et je sais pas quoi là. Les machins quoi, les morceaux et les trucs. Alors bien sûr, il n'y a encore aucun vote. J'ai envie de faire un espace de création. Voilà, j'ai deux votes. Donc quoi que ce soit voté, ça va au moins bouger un petit peu quoi. Wesh, vas-y toi, l'aideron! Qu'est-ce que tu viens utiliser ma machine hein, vu qu'on en a besoin, genre tu vas juste qu'on est là quoi. Bon, tu ne trouves pas des trucs intéressants à part des trucs cramés là. Trouve-moi une baignoire, un ordi, un lit, je sais pas, des trucs qui sont réparables. Enfin, un lit, c'est pas vraiment réparable, mais bon, bref. Pendant qu'on essaye de gagner des points auprès de Geoffrey Plénosas. Bon, il a pas voulu soutenir notre plan d'action, c'est pas très très grave. Tu vas interroger à propos de l'électricité, il va t'envoyer bouler encore une fois, mais bon. Bon, par contre, tu dégages cette machine, on n'a pas le temps d'y aller, nous! Et chiant, hein? Oh merde! Il a voulu répondre cette fois-ci. C'est sympa. Merci, Geoffrey. Oh, il se casse, il se casse. Allez, pour une... Tu vas vraiment y aller, là?
Allez, non, vas-y, on s'en fout, on en profite qu'il soit pas devant parce que je sens qu'il va squatter. Mais parle-lui pas, Jonah, vas-y, va recycler, on a besoin. Yes, on va enfin commencer à recycler des choses. Donc on va recycler tout ce qui est un peu cramé et qui est dans notre inventaire de foyer. Parce que ça ne sert à rien, c'est pas réparable et tout ça. Super, allez, encore, encore, encore. Regardez tout ce qu'on a là, tous ces trucs qui nous servent pas. Allez, tu vas se recycler ça, tu vas recycler ça, tu vas recycler ça. Et puis ça, et puis ça, et puis ça. Je sais pas, je pense que si je mets tout en même temps, c'est pas bon. Mais bon, parce que ça fait qu'un seul bloc au lieu de plusieurs, mais bon, moi c'est fait quoi. Et du coup, oui, à chaque fois qu'il recycle, c'est bon pour sa... pour son aspiration. Et ben voilà, Sacha a trouvé Déluge du designer. C'est une douche à réparer. C'est bien, je suis contente. Oh, ça y est, on est dans une nouvelle étape de de son aspiration au créateur magistral. Atteignez le niveau 5 de la compétence fabrication d'objets. Donc ça, on l'a déjà. Il faut fabriquer 5 objets et posséder 5 colorants. Plan d'action du quartier. L'autosuffisance est en concurrence avec les pouvoirs créatifs quand même. On va revoter là, hein. Tant pis, on va tenter. Mais en plus, sa sœur, elle a chopé un colorant dans la benne. Donc si on lui donne, ça lui en fait combien des colorants? 2? Mais 3, ah oui, donc il nous en manque encore 2 pour son aspiration. Eh mais qu'est-ce que... Pourquoi il y a une télé abandonnée ici? Tu vas aller me la réparer? Qu'est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a déposée ici et on peut la récupérer ou comment ça se passe? Ouais, 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 ouais. Continue à nous saouler, madame, c'est bien. C'était sympa, mais on s'en fout en fait. Voilà. Et du coup alors... Oh oui! C'est-à-dire que maintenant elle fonctionne la télé. Mais on peut la prendre ou pas? Non. Non, mais parce que ça me fait chier de l'avoir réparée et au final on la laisse là. C'est un peu. Ben, c'est un peu bizarre. Je comprends pas pourquoi t'as une télé qui est apparue comme ça, subrepticement. Bon, bah tant pis, hein. On n'aura pas la télé pour nous. On va quand même rentrer parce qu'il se fait tard. Ok, nous revoilà à la maison. Donc toi, t'es vraiment pas en bon état. Tu vas aller aux toilettes, toi, pendant ce temps-là. Tu vas prendre une douche. J'allais dire fin de soirée, mais en fait, on est un peu 2h, 3h du matin. Donc, vous irez vous pieuter, bien sûr, après tout ça. Vous reposez. Demain est un autre jour. Demain, on fabriquera des choses. Et on réparera des choses. C'est vrai que pour les factures, c'était toujours coché en vente automatique. Du coup, là, je vais voir si je stocke, si c'est plutôt bien ou pas. S'il y en a un vrai changement. Oh, et Sacha, elle peut maintenant améliorer les récepteurs de rosée. Résistant et garanti anti-fuite. Même les éclairs ne pourraient pas percer cette coque renforcée. Super, et eh ben tu vas me le faire. Elle ne peut pas encore améliorer les panneaux solaires, mais si elle peut en améliorer un des deux, moi je prends. Hein. Alors que nos criquets sont, eh bien, contents, tu vas nourrir. Ah non, tu vas nourrir des criquets avec du compost, mon coco. Vu que tu en as sur toi. Tu vas récupérer du biocarburant. Bon ben j'ai un problème, ils veulent pas du tout évoluer les plantes. Ok, tout va bien. Tina, qu'est-ce que tu viens faire aujourd'hui? Bon ok, maintenant ça fonctionne pour faire évoluer. Mais c'est n'importe quoi! Enfin c'est une sur deux quoi, je sais pas, j'ai un bug avec les trucs. Ouais voilà, ça ils veulent pas. Elle a fait celle-ci mais elle veut pas faire les autres du dessus. Ok, tout va bien. D'ailleurs, je suis en train de me dire que c'est réparé, machine, alors que je ne l'ai pas réparé moi-même. Jonah, nous pouvons non seulement fabriquer des choses, mais aussi les améliorer. Savez-vous que notre machine à fabriquer pouvait imprimer des composants électroniques? La recette des pièces d'amélioration. Mais c'est super, merci Tina, de cette jolie chose. Tu fais plaisir, merci. Bon, bah, petit Jonah, il va fabriquer quelques petites choses. Oh non, juste une petite lampe de bureau. Après, tu fabriqueras. Un tapis, voilà, vas-y, amuse-toi bien. Ouais, il m'a déjà tout terminé, tu vas continuer à fabriquer des trucs. Oh oui, des éclairages! Oh ouais, fais-nous des beaux éclairages là de la folie. Hein? Qu'on puisse avoir de la vraie lumière à la maison. Et pour Sacha, je lui ai sorti la douche qu'elle a trouvée dans la benne. Tu vas la réparer, puis tu vas la nettoyer, parce que bon, bah. Je sais pas si c'est intéressante et qu'elle vaut cher, et ben on la vend quoi. Les jumeaux en plein travail. Mais que c'est cool. Oh, mais quelle est belle cette douchette! Toute brillante, t'as bien bossé. Elle est super sympa, dis donc.
Je me souviens pas l'avoir vu dans le mode construction, dis donc. Bon bah Jonah, tu vas pas t'arrêter en si bon chemin. Tu vas nous faire. Vas-y, un petit bural. Un joli petit bural. Fabrique-nous des trucs. En plus là, ça va faire monter en flèche pour son aspi. Donc tout est bénéf. Initiative écologique. Port-Promise est officiellement devenu plus vert. C'est ainsi que se terminent les efforts de plantation dans le cadre des initiatives écologiques à Port-Promise. Profitez de cet air pur. Oh oui, ça y est, nous avons contribué à ce que ce port et ce quartier redeviennent verts et purs et parfaits. Ah, c'est vrai que c'est vachement plus sympa comme ça. C'est pas encore tout net là-bas. Faudrait que je vois. Oh là là, le moral dans les chaussettes pour Jonah. Je lui mets de la musique. Ça faisait longtemps, le pauvre. Mais dis donc, il est long ton truc, hein, ton bureau. J'espère qu'il vaudra bien cher. Allez, c'est pas tout ça, mais on va voir si la douche. Ouais, 450. Allez, on vend. Le bureau, lui, vaut 400. La lampe. 210 flouzes, la lampe. Oh, mais j'ai envie de dire que j'ai envie de la garder. On va en mettre une dans le salon. Écoutez, on a deux panneaux solaires. Moi, je pense que c'est bien, hein. On va pas se priver, hein. Et une dans la cuisine, là, comme ça. Faut qu'on commence à être modernisé un peu, les enfants. Le tapis, 110 flouzes. Le tapis. Le tapis. Ouais, le tapis pourrait bien aller dans la chambre, hein. Allez, on se le garde. Et la petite lampe de bureau. Allez, 160. La lampe de bureau vaut plus cher que le tapis. Bon, on commence à avoir une maison qui ressemble à quelque chose. C'est ça qui est cool. Au niveau des factures, on est plutôt sur la bonne voie, je pense, parce qu'on arrive à stocker 14 volts d'électricité. Bon, pas en eau, mais parce que bah, forcément, comme ils vont tout le temps dans la benne à ordures, et ben, il faut bien qu'ils se lavent de temps en temps. Pourtant, malgré deux récupérateurs, mais au niveau électricité, c'est bien. Je pense qu'on pourrait investir frigo et tout ça, ça va être bien. Petite discussion top pour les jumeaux. D'ailleurs, tu vas arrêter un peu ta musique, non, mon gars? Écouteurs, éteindre, voilà. Et tu vas me prendre un petit plat là pour manger aussi. T'as pas une grosse faim, mais au moins ce sera fait. Bah sinon, Jonah, tu peux toujours venir fabriquer. Et... Allez, allez, allez. Une table de salle à manger. Allez. Et une bonne nuit pour Sacha puisque elle demain lundi, eh ben, elle va bosser. Elle avance ta table. On va la remplacer, on utilisera celle-là à la place de ce qu'on a là. Ce sera une maison avec des meubles refabriqués maison. Et voilà, une table de plus. Tu vas me fabriquer du coup un siège. Bah ouais, tant qu'à faire mon coco. Hein? Maintenant qu'il faut une table, faut des sièges. Oh merde! Il veut se bastonner avec la machine! Oh my god! Oh non! Oh mon pauvre! Oh la machine vilaine! Oh bichon! Et en plus, ça t'a quand même enlevé les trucs. Oh, on ne s'avoue pas vaincu, hein, recommence. Bon, ben ou pas! Surprise, motherfucker! Allez, c'est bon, j'ai compris, tu vas aux toilettes, tu vas dormir. C'est vraiment le truc de trop. Hein. Allez, Sacha, je pense que tu vas te lever, t'occuper un peu de toi. Manger, aller aux toilettes, et si tu peux commencer à réparer pour ton frère, pour qu'il puisse travailler dans la journée, ce serait trop cool. Bon bah du coup elle m'a cassé les chiottes quoi, super. Et dis-moi que en un tournement tu vas la réparer, ce serait cool. Bah remarquez, ce truc là me fait penser au fameux poisson, vous savez, l'Opisto Prodictae, où on voit la cervelle à travers. Bah en fait comme c'est déjà transparent et que ça bouge un petit peu, ça me fait penser un petit peu à ça. Ce que tu dis n'a aucun sens. Et elle a bien réparé. T'es la mémé, t'es la yayeur, t'es la meilleure. Et tu peux me réparer ça au lieu d'aller faire je sais pas quoi, prendre de l'eau. Non, bah non. Merde, bah non, elle va aller au travail, hein. Avec ton super casque, t'as raison. Ah! Pourquoi ils sont tous par terre? Ils sont morts. Mais pourquoi ils sont morts? Mais on a pris soin d'eux et tout. Mais pourquoi il peut encore refaire des câlins s'ils sont morts? Il est nécrophile ou quoi ce mec? Oh bah ils sont revenus en vie. Non mais n'importe quoi en fait. Vous faites des câlins quand ils sont morts et ils reviennent en vie. C'est n'importe quoi. Bon ben, Go aurait essayé de fabriquer les fameuses chaises. Hein, on perd pas espoir. Hein. On a la table, il nous faut les chaises. C'est obligatoire. Les factures viennent d'arriver. On doit donc 135 simflouz. C'est bien, c'est cool.
Et bien sûr, on n'oublie pas... Oh, magnifique. De passer par la poubelle au cas où on pourrait trouver des trucs sympas. Qu'est-ce que t'as trouvé? Oh, super, une onde sinusoïdale en polymère. Super. Tu vas retourner travailler à fabriquer des choses. Ah, oh, on n'a plus assez de morceaux. Mais quelle est donc cette diablerie? Bah, tu vas me refaire un siège. On n'a plus assez de morceaux? Ah, on n'a pas assez de peau de banane. Oh bah zut alors. Petit tour dans l'inventaire, donc je me retrouve avec deux plans de poubelle parce que c'était des déchets. Bon bref, voilà, je les vends. Ça, mais elle est bien en plus, elle est même pas cassée. Allez, on la vend à 250 et les chaises, elles valent 150. Et la table, 550. Oh mais c'est diablement intéressant ça. Allez, on va supprimer, on s'en fout. Nous, on a ce qu'il faut maintenant, on commence à faire notre vie. Voilà, regardez, on va recommencer à tout organiser dans la maison. Et on va mettre les chaises. Voilà, regardez comme c'est classe. Et fabrication maison, s'il te plaît. Et un niveau 6 de la compétence fabrication d'objets. Je peux fabriquer maintenant un lit. Oh, ça, c'est cool. Et hop, il a fini de faire cette nouvelle chaise. Oh, cool, il a trouvé un autre colorant. Du coup, ça augmente. Parce que du coup, je les achète pas du tout, les colorants. On les trouve dans les bennes, donc c'est vachement cool. Et une chaise! Et en plus, elle est même pas cramée. Mais c'est de mieux en mieux, mon petit. Regardez comme il est mims. À manger à sa table qu'il a faite lui-même. Et dans sa petite chaise qu'il a faite lui-même aussi. C'est du fait maison, tout ça. Enfin, fait machine, on va dire, plutôt. Et Sacha a ramené 378 Simflouz à la maison. Elle est toujours aussi ravie de rentrer. Et tu pourras après jouer à Blick Block si tu veux. Les plans de quartier! Oh non, c'est promouvoir les arts créatifs. Oh, punaise, je vous jure. Mais j'ai pas assez de points, mon Dieu. Et elle a quoi? Vas-y, viens voir, je t'en prie. Je sais pas si elle a beaucoup de points. Elle en a pas assez. Ça sera promouvoir les arts créatifs qui va gagner. Ouais, voilà, hein, voilà. Promouvoir les arts créatifs, tant pis. Oh, regardez, du coup, ça a changé aussi, puisque nous avons voté pour que ça change, et ça a enfin changé. Et nous voilà donc dans cet entrepôt qui a enfin été refait. Et bon, bah, pour l'instant, il est vide. Il y a des machins à bestioles. Bah oui, mais moi, je veux pas payer pour les bébêtes. Il y a un truc pour les petites enfants. On a toujours le panneau ici, on a... De quoi faire, ok, très bien. On a des petites mangeoires à oiseaux, super. Et à l'étage, qu'est-ce qu'il y a? Ah, il y a une table pour discuter tous ensemble. Ah, il y a un truc. Oh, ce serait cool. Ce serait cool si, voilà. En plus, comme c'est les trucs d'art créatif, je sais pas quoi, on va peut-être gagner des points d'influence parce qu'on a fait une peinture. Je ne sais pas. À voir. Et il n'y a plus la machine à recycler? Ah oui. Bon, c'est un peu chiant ça par contre. Ils mettent les trucs comme ça, genre ouais, je te dépose un truc là et tout. Je participe à la vie quoi. Vas-y les rapaces là, t'es en train de peindre, ils viennent tous autour en disant hey, ouais, tu veux peindre. Ben non en fait. Qu'il est mignon. Jonah il pue, il est mignon, mais il plante tout. Voilà, il est gentil et c'est bien. T'as bien élevé mon petit. Wow, Sacha, mais quelle œuvre d'art. Viens nous vendre ça. Qu'on récupère quand même une petite partie de notre somme investie. Ouais, Jonah, il en profite pour faire quelques trouvailles dans la poubelle. On est de retour à la maison et les grands enfants que vous êtes. Bon, à part Jonah, tu vas aller te prendre une douche. Sacha va se coucher parce que ben, elle demain elle travaille encore une fois et qu'il est déjà 1h du mat. Et c'est sur ce début de nuit que moi je vais vous quitter pour l'instant pour cet épisode. Et nous sommes donc maintenant, eh bien nous sommes bien avancés, nous avons 4500 Simflouz dans notre cagnotte. Donc l'argent, ça y est, c'est plus trop un souci. On commence à fabriquer des objets et j'ai envie de dire qu'on va tout changer et tout faire des trucs fabriqués en fait. Tout ce qu'on aura acheté, eh bien on le revendra pour avoir des meubles fabriqués. Ça sera un peu plus sympathique. Et puis peut-être que la maison aura changé un petit peu, peut-être. Que je commencerai à faire un petit extérieur sympathique pour les jumeaux. Moi, je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite du Let's Play et le reste de la semaine pour beaucoup d'autres choses. Des gros bisous. Ciao!